avec cette famille qui date de quelques années maintenant. Et au même moment, j'ai eu les occasions de participer à des rencontres qui ont trait à cette organisation de ce centenaire. Sur la base de cette situation que nous avons bien voulu, aussi comme ça se passe un peu partout, au Sénégal, au Mali et ailleurs, que cette même organisation puisse se tenir dans notre terroir, le département de Bounkini, la région de Sédhiou, qui est un département islamisé depuis très très longtemps. On ne pouvait pas aujourd'hui dire quand effectivement ce peuple a connu le brassage islamique. Et de plus encore, dans le passé, nous savons que Cheikh Nasser Mahfouz a connu cette partie, n'est-ce pas, de la Casamance. Donc, étant fils de ce terroir et avoir des rapports avec la famille chérifienne, nous avons bien voulu qu'une telle organisation se tienne ici. Nous l'avons voulu aussi parce qu'il s'agit de la figure d'un homme qui a marqué la lumière de l'islam dans cette partie sud de l'Afrique. Cet homme que nous ne pouvons jamais assez dire de lui. Nous l'avons voulu aussi parce que c'est des références pour le passé et pour le présent. Cette jeunesse et cet islam que nous ne pouvons pas peut-être percer au fond, qui reste aujourd'hui à sécuriser davantage. Cette journée, nous l'avons voulu aussi parce que c'est une occasion de prière. Prière pour nos défunts à travers cette figure de Cheikh Mahfouz, mais aussi une occasion de prier pour un pays stable et prospère. Comme effectivement lui-même, par sa vision, a témoigné par ses actions d'islamisation, il a prêché par la non-violence dans la forme pacifique et avec aussi des valeurs fondées sur le brassage. Donc, Cheikh Nasser Mahfouz incarne la paix au-delà, n'est-ce pas, des valeurs islamiques. Il incarne la paix. Et notre pays, à partir de la Casamance d'abord, est un pays aujourd'hui qui sollicite cette paix-là. Donc, ce que nous avons appris, n'est-ce pas, de cette journée, montre effectivement que c'est l'une des organisations, rassemblements que peut-être notre département n'a jamais connu. Et Dieu merci, nous avons tiré, le bilan que nous pouvons tirer cette journée, c'est un bilan hautement satisfaisant, au-delà même de nos attentes. Nous avons appris que les références dans le passé islamique doivent être telles qu'ils ont, n'est-ce pas, prescrites par le prophète, mais aussi que cette nouvelle génération doit continuer à rester dans ces valeurs fondamentales de notre religion. Bis bi dama ko sargal ci suñu gox bi ci sama rapport sama relation ak famille chérifienne yagna ci famille bi gisna sama bop ci famille bi te gisna famille bi aussi nangunama ma fekke aussi fuñu tok waxtan def calendrier centenaire yi ma am yaakar man tam domou la ci ben gox te comme bis ñaan la té ñu bayé ko ci suñu mam ko xamné ligamu yépp ci islam ko basé mu nek Cheikh Nasser Mahfouz kon dom la ci gox bi moma poussé pour ma ñaan bis bi ñu nanguma aussi ma indi ko ci sama gox té référence moy Cheikh Nasser Mahfouz ci bis bi yaakaarna buñ duggé ci jangatam ci limu doxalé bamu coloniser islamiquement peuple sud, surtout dans cette partie Casamance, valeur yoyu jarna comme famille bi limu joge ni diko valoriser jarna ci gox mu nek ñu mëna rassembler té def luñ ko féké sank yaakaarna ci lolu ñun yépp am nañ jangat surtout nouvelle génération bi jangat ci suñu diina tabo xamné dal diina islam baye ko ci prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ben la ken munul dugal lo xamne mu nek lu bes te suñu kilifa yi nek fi bobu lañ nekke te bobu lañ teye donc yaakaarna buñu genné ci lool aussi
bis la pour ñun bis bu ñaan ñaan nak suñu Sénégal bi ci anam bu nek ni ñu soxla jamm ci rew mi té tribune bi tay sédé nañu bis ñaan bis jamm la té lepp kilifa yu dajé fi bu bayé ko ci shérif yi ñu ñew aussi fekk ay kilifa yu baax ci gox yi assuré nañu tay ñaan ci ndamb Sénégal lañu féké fi té ñu gëna ñaax ñaan bobu ci suñu président de la République son excellent Macky Sall mais ñu ñaan bobu suñu gox bi ñu gëna nek ci jamm té mu nek jamm Sénégal ci aduna bi yépp. D'accord, ñu ngi lay jàpp. Merci beaucoup.